sous TV La Caille pour deuxième fois nous rejoignons encore et nous comptons pour tes vidéos ça pour qui en dans la divers gros points qui a dominé actualité a précisément dans ville Port de Paix. Mesdames et messieurs, nous connaissons hier que la police en fait un gros coup de filet côté yo mette en bas dans tout ça qui est dit la France. C'est on accomplit son quantité d'armes et munitions plus en pile l'argent qui ont même été entré sous WAF en Port de Paix. Et bien la police qui te mettait toute quantité d'armes, quantité de cartouches. Pays d'Haïti, franchement, nous ne connaissons pas est-ce que nous avons délivré, nous avons lité, mais nous ne connaissons pas délivré parce que ça a fait là comme plan qui en pile bourgeois mêlé à politiciens gagné pour craser le pays d'Haïti. Il n'est pas petit du tout, mesdames et messieurs. Eh bien, et donc et tout ça, nous avons invité une photo qui répond. Et non, non, ça, donc, et dit la France, eh bien, c'est tout ça qui t'a pral recevoir toute quantité et donc, et munitions ça, plus l'argent, hein, pile l'argent ça, pile zame, pile cartouche ça, c'est monsieur, eh bien, tout ça, en bas code, les gars, pour répondre aux questions et pour le bail tout en l'autre acolyte qui ont même impliqué dans pile dossier ZAM ça qui et bien depuis quelques années nous avons dit comme ça c'est pas si par là et ZAM a pas entré dans le pays, c'est pas Saint-Marc et c'est Port de Paix qui donc Haïti son pays nous pas connaît est-ce que n'a échappé parce que nous très loin, nous très loin, nous très loin pour nous sortir côté nous là mesdames et messieurs. Et puis il y a Martin Moïse tout qui lui même mettait une note d'ailleurs et dans notre ça à côté accusé directement Ariel Henry chef gouvernement comme quoi il ta yon un suspect qu'un zak assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse 6 pour le 7 juillet 2000 et donc 21 qui sont passés là. Et bien nous parlons de folie et bien nous parlons montrer donc notre ça qui lui même c'est bureau premier dame qui mettait le dehors pour faire qu'on ait qu'il pas participer dans toute démarche qu'a fait pour 7 juillet qu'a venir là pour bailler l'année depuis président Jovenel Moïse lui même été assassiné la caille pèlerin 56 pour 7 juillet 2021 par des groupes colombiens mêlés avec haïtiens avec divers anciens sénateurs et bourgeois même qui ont même été comploté gros actes assassinat ça sous président Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, nous allons inviter tout en détail en deux vidéos ça par lié ou sous TV La Caille. Si vous pouvez vous abonner, c'est le moment pour faire ça. Kounia même, nous allons tourner pour une prochaine vidéo. Aujourd'hui, ben au bateau au niveau de douane Port de Paix, la police saisit 34 boîtes cartouches. Chaque boîte a gagné 54 000 cartouches. Et ben la police vient de débarquer 4 noms qui t'a pour recevoir marchandises là. Eh bien, ils ont joué 3 armes, ils n'ont pas joué mon nom. Actuellement, il y a une grosse pression qui a fait pour dire que c'est 10 boîtes cartouches qui ont joué. Eh bien, c'est 34 boîtes qui ont joué. Eh bien, j'ai que l'information même yo à peine tombé là. Eh bien, n'a pas que au niveau de l'autorité, ils ont arrivé et saisi et balle ça, côté que c'est un pile balle, plus passé, et des milliers de balles qui ont même arrivé joindre. Eh bien, n'a pas que ça lui-même lui passé au niveau de. Et Port de Paix, dans la minute que nous-mêmes, nous avons parlé là, côté que depuis 24 heures, ils sont arrivés prenez, et bien c'est dans Port de Paix, autorité au possédé, jeudi vendredi, en saisie de plusieurs boîtes de cartouches dans la douane, et bien ils ont disposé, côté que c'est plus passé 100 000 cartouches, et bien pour des armes et de TS calibre qui est parti dans 128 caisses, et puis chargé, ils sont arrivés saisis, et bien dans le bateau qui est le Miss Lilia, au WAF de Port de Paix, et bien après constat, juge Paul Blanc lui remettre et question sous-cellé à Franck Etienne qui est responsable SDPJ, et bien au niveau de Nord-Ouest, Jean que non censé abgader Image là et Jimmy, et bien c'est au niveau de Port de Paix, il est arrivé saisi, et bien et nous pensons que gagner en il monde qui au même qui dit que qui ça qui a passé là et bien et au niveau de bateau ça c'est jeudi à qui c'est vendredi 1er et juillet et bien c'est dans bateau Miss Lily au niveau de WAF Port de Paix yo arrivé et saisi ça et bien n'a donc gagné et yo prend en pile et cartouche c'est pas décausé qui vient tout au niveau de Port de Paix dans minute que nous même nous censés et à parler ensemble avec Ola et bien n'a donc et gagné un
pile citoyens qui ont demandé ensemble avec les autorités pour être capable d'avoir plus de détails et bien dans le cadre et dossier ça et dossier ça côté que et c'est et zam et balsao qu'à tout ça que même rejoindre et bien il faut que même capable pour qui est malgré que Jean Douli gagné et yo en pile qui censé aller au niveau de et la police qui ou même qui a reçu des caprenés et bien c'est 128 boîtes de cartouches de différents calibres qui saisit et dans douane port de PA et bien vendredi 1er juillet et bien une affaire qui est individuo yo a poursuivi jusqu'à que yo arrivé joigné selon Michel Vigile qui lui-même c'est et commissaire et gouvernement dans porte de paix et bien lui-même lui dit que yo pral poursuivre moun sa yo yo ta allé dans caille côté que dit ta pral dé et pour être capable à recevoir marchandise et bien yo pas joindre moun sa yo et côté que la police lui-même lui était déterminé commissaire gouvernement et bien yo même yo dit ça déjà que nous douli la police était en train de débarquer caille non moun et qui tape bien pour recevoir marchandise yo et bien yo joindre 3 armes yo pas joindre mon actuellement là déjà que nous douli gien pile pression qui a fait pour dire c'est et 10 boîtes de cartouches mais information yo c'est en pile cartouche et bien donc opération qui censée finir au niveau de et port de paix mais autorité yo dit que yo saisi plus passer 100,000 cartouches de différents calibres à bord d'un bateau qui portait nom Miss Lily et bien chargeurs de différentes armes ont été faits et confisqués également et bien après constat légal juge Paul Blanc et qui remet boîte yo scellé yo à Franz Etienne qui est responsable SDPJ au niveau de Nord-Ouest au niveau de port de paix la minute que n'a parlé là et bien en plus monde dit que et bien faut autorité yo même yo sans trois âmes et bien, pas joindre maintenant actuellement il y a une grosse pression qui a fait au niveau de port de paix n'a toujours été dans même cadre de dossier la douane là il y a une nouvelle équipe qui prend règne et direction générale douane je vendredi il s'agit de Jules Saint-Édouard et Ronald Boufis respectivement directeur général et directeur adjoint monsieur Édouard qui remplacé et n'a pas ça monsieur Romel Bell qui est accusé de corruption de trafic d'armes et de munitions et bien cérémonial qui est présidé par le titulaire du ministère et des Finances, M. Patrick Boisvert, qui lui-même qui était arrivé installé, et deux nouveaux directeurs SAIO au niveau de douane, Port-au-Prince et Béjounet, et vendredi, et Jules Saint-Édouard, qui était installé vendredi, qui est installé jeudi vendredi, comme nouveau directeur général, administration générale des douanes. Il était jusqu'à date administrateur de l'administration générale douane, et puis c'est bras droite. DG sortant Romel PL selon information et bien Jean Quenon Dioli, ancien administrateur et direction générale des douanes, M. Jules Saint-Édouard installé et je ne vais lui dire en tête, ainsi je ça comme DG et bien Ronald Boufis qui lui-même est installé tout dans le poste comme directeur général adjoint et ministre. Finance qui était possédé ensemble avec installation. N'a toujours été dans le même cadre des amis ou agriculteurs. Juste un second, mesdames, messieurs. Et je pense quand même bagala beaucoup plus grave que nous était capable de comprendre. Et nous sommes fait édition, ça beaucoup même gon bon désert temps ou net temps. Côté que nous dit que la police pas capable faire peuple à ça. Monsieur nous pas faire population ça. Comme si toute boîte d'âme ça ou toute boîte cartouche ça yo pour nous faire comprendre que nous pas jeune monde. Nous pas jeune mettre cartouche ça yo. Jusqu'à maintenant m'a parlé avec nous là pour nous faire croire que nous beaucoup arrêter mettre cartouche ça yo. Et de là, moun sa ou qui soit disant et dans pays étranger qui voye cartouche sa ou, pour nous faire comprendre que la justice pas comme si nous pouvons capable arrêter moun sa ou toujours. Mes amis, ou ap gade, Haïti nous pas en guerre là. Nous pas en guerre avec personne. Et ma prable, ça l'ap gade ou là, c'est pas gouvernement, non, Pradel. C'est pas gouvernement commander ça, non, ça c'est pour bandit, c'est pour dire oui, l'ap gade là. C'est des gros et paquet de munitions. Mes amis, bagala grave. C'est très grave. Et là, ma pouvais qui ça soit disant comme pas gain gouvernement, si pas gon tweet cap l'en sorti au moins beaucoup de l'état pour ta dénoncer ça. Mais bagala, mais n'a pas gardé devant nous là, c'est près nous parler plus de 100,000 boîtes cartouches, 100,000 boîtes cartouches qui rentrent dans le pays dans bateau. Moun ça qui voyait cartouche ça yo. Comme si ça pi mal qu'un criminel. Ça pi mal qu'un assassin pour oser prendre 100,000 boîtes cartouches pour voyer ou connaît peuple là déjà dans grand groupe peuple là déjà gain problème
pour ces soins faits. Mes amis, là, nous on a parlé de Citiran, ça, pas même Citiran, ça, c'est grave, là. C'est très grave. Et j'en nous dis, n'importe qui ça peut le faire. N'importe qui ça peut le dire. Bon côté, soi-disant l'État, comme baguette. Parce que vous avez dû assez commander le tout, nous ne connaissons. Parce que les gens, parfois, autant des gouvernements qui commandent telle munition, telles armes pour eux-mêmes, puis en bas, ils commandent un paquet, l'autre à gauche, à droite. Mais mes amis, c'est très grave. Moi, j'espère que nous prenons conscience. Et les munitions, c'est la famille qui va être victime avec lui. C'est la famille PAM. C'est frère l'action que nous prenons mourir là-dedans. Et je pense que nous allons après d'elle. Nous parlons de plus de 100 000 boîtes cartouches. Pour l'instant, par hasard, yo pas jeune moun nan. Comment capable expliquer ba ça Pradel comme si pour la police débarquer par hasard yo jeune toute munition ça yo pas jeune moun nan et moi même il faut qu'il vienne côté et faut que me joigne semble-t-il ça on a gardé là pour pas rien moi apprendre que mettre munition d'après ça que essayer nous jeune comme info bien que nous pas capable confirmer la 100% semble-t-il que il était plus Pradel semble-t-il qu'elle était beaucoup plus que ça. Donc, nous ne parlons pas de république de bananes, gens qui prétendent, mais ça n'a pas de place, frère. Oui, Pradel, on reprend une fois pour les gens qui appellent brancher là, c'est quand même très grave. Et nous avons regardé des vidéos là, et il faut qu'on lève le campé qui fait beaucoup de peuple là. L'opération, lui-même, dit ça c'est fini. Eh bien, la police, lui-même, dit que l'opération qui mène dans le port de paix, autorité de diocèse, plus de 100 000 cartouches, et bien, boitant 100 000 cartouches. De différents calibres à bord d'un bateau qui portait nom Miss Lily, et bien chargé de différentes armes ont été confisquées également. Après constat légal, et bien juge Paul Blanc lui remet boîte ça sous scellé à France Étienne qui est responsable SDPJ au niveau du nord-ouest pays d'Haïti. Et bien la bouquée action s'est passée depuis 4 heures, jeudi, et bien, dans un bateau, dans la douane Port de Paix, la police saisit, et 34 et cartouches, chaque boîte, d'après l'information, il y a 54 000 cartouches, et bien, la police, lui-même, il y a débarqué, et non, monde qui t'a reçu la marchandise là, et bien, il y a dit qu'il n'y a pas joué, mais, en dedans là, il y a joué 3 armes, qui n'y a pas joué de monde là, et bien, actuellement, il y a une grosse pression qui a fait là pour dire que 10 boîtes de cartouches, d'après information qui a sorti au niveau de Port de Paix, mais information d'après autorité, et bien, il y a 100 000 cartouches de différents calibres, et bien, à bord d'un bateau qui portait nom Miss Lily. Et bien, information, côté que nous-mêmes, et à permettre un tel nom pour nous capables de gagner tout détail parce que nous connaissons que au niveau de la police ils ont dit que eux-mêmes ils travaillent plus ou moins sur café mesdames que c'est au niveau de douane Port de Paix je vendredi 1er juillet action s'est passée bien un cadre affaire individu ça d'après sa déclaration commissaire gouvernement Port de Paix a dit que ils ont prêt à aller et faire suivre et bien jusqu'au dernier retranchement et bien selon Michel et Michel et Virgile qui est commissaire gouvernement Port de Paix côté que la justice lui-même et lui tombé gain jouet pas pour lui. Et bien après toujours le même quatre dossiers autour au niveau de l'insécurité, la police nationale officielle ils ont confisqué et bien jeudi à dans zone Iliouane deux fusils d'assaut, un revolver, trois véhicules et bien bandits qui ont même couru échapper pour lui. Et bien la police nationale indiquait que machine qui à bord côté que le commissaire et président Robert et bien lui-même était à mars dernier et bien il joint une machine ça bien machine qui était dans mes commissaire et bien président et bien il même il arrivé joindre nous rappelons nous que il était arrivé tirer bandit que tu commissaire Robert et bien dans cas d'assassinat lui dans mars ça bien il joint machine ça au niveau de la police qui lui même censé après et qui ça lui-même est capable de faire pour être capable et éliminer ça dans les groupes gangs yo bandits qui ont même qui viennent 100 fois et 1000 fois et bien au niveau de et de pays là et bien longtemps dès que Montegon dit a tué bandit te connait et bien je n'ai dit à bandit lui-même il régénère c'est ou bien il tue nous ou bien nous tuer lui et bien côté que même il est censé pas gagner aucun problème pour être capable arriver et mourir information yo je et mesdames et messieurs, juste une seconde. Bateau ça, et est-ce que nous connaissons qui pays il sorti? Est-ce que c'est probablement aux États-Unis? Est-ce que nous capables de confirmer que c'est aux États-Unis qu'il sorti? Parce que techniquement, mesdames et messieurs, moi-même, moi vraiment soucié de paix. Parce que là, j'en ai dit là, ça dérangeait personnellement.
ça dérange personnellement parce que on nous dit OK, pas de parole la police non, on pense que monsieur le minimum que nous attendons de nous. Et pas si c'est pas nous qui commandons les munitions ça et va nous commander eh bien OK, DG ça qui représente pas DPA, monsieur t'as supposé faire une conférence de presse pour au moins expliquer. OK, parce que là pas bien nous dit que justement là il y a PC parce que nous pas penser penser c'est forcément une bonne nouvelle non, parce que là nous dit plus de 100 000 boîtes mais il y a PC ouais comme les médias actuellement c'est nous sont problème pour yo parce que on prend le temps de que oui finalement c'est pas de 100 000 il était moins en façon pour cacher en façon pour camoufler en façon pour le servir pour propre intérêt yo. Mesdames et messieurs, c'est sérieux, c'est grave. Et je pense que justement, il faut que le bateau ça, côté ZAMI ou sorti, côté ministre ça ou sorti, eh bien, il y a une façon pour nous retracer. Moi-même, le problème que j'ai avec ça personnellement, c'est que la police débarque avec les gens, subitement, les gens ne sont pas là. Subitement, ils ne sont pas jeunes. Ça, ce sont des autres qui ont fait dans le pays et des autres qui ont fait les six maintenant. La police fait une opération pour plus de 100 000 boîtes de cartouches et nous débarquons avec les gens, pas à ZAMI.